Bonjour mes champions, bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grace Femme Fashion Milliardaire. Aujourd'hui, on va couper encore Boubou de tendance. Et très jolie, très classe, tu peux essayer ça aussi. Donc, j'ai mes 3 yards de tissu. 3 yards de tissu. Donc, pour ne plus perdre le temps, let's go. Donc, ça c'est ciseaux, craie. Et mon tissu. Donc, on va commencer. OK. Pour commencer, je vais plier ça. J'ai déjà mes lignes. Ligne de la mâchure. Yeah, ça, c'est ligne de la mâchure. C'est 8 inches. 8 inches, là, ça fait 20 cm. Et là où je vais prendre tour de poitrine, 9 inches. 9 inches, là, ça fait 23 cm. Donc, de l'épaule vers le sous-poitrine, ça fait 14,5 inches. Là, ça fait 37, 36 centimètres. Et ligne de taille. Ligne de taille, c'est... Et là où je vais prendre tour de hanche, c'est 25 inches. 25 inches, là, ça fait 64, 64 centimètres. Donc après ça, tu vas tracer la longueur de ta robe. Après, tu prends tour de poitrine divisé par 4. Il faut prendre les mesures normales d'abord. Après, on va augmenter. Donc pour l'augmentation, là, c'est option. Tu peux augmenter grand, tu peux augmenter petit. Ça dépend de ce que tu veux sur toi. Ok. Donc tour de poitrine divisé par 4. Tour de taille aussi divisé par 4 et tour de hanche. Ça, c'est tour de taille et sous-poitrine. Maintenant, tour de hanche divisé par 4 aussi. Tu vas marquer ça. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, après, tu vas tracer. Après, tu vas tracer comme ça et comme ça. J'espère que tout le monde va très bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce ce matin. On va le remercier. Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Instagram, ma page TikTok. Likez mes vidéos et partagez, ok? Merci beaucoup. Si toi, tu viens de tomber sur cette page, bonne arrivée parmi nous. Ici, nous sommes des grands stylistes. Les gens qui aiment la couture, qui veulent développer leur talent en couture, ok? Donc après, il faut tracer comme ça ce que je suis en train de faire. Faites aussi la même chose, ok? Donc c'est ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on a déjà toutes nos mesures. Maintenant, au niveau de... Attendez, je vais... Oh, j'ai oublié. C'est que ça ne... Ok, on va regarder ici d'abord. Maintenant, comme on a déjà notre mesure normale, on va augmenter. Comme ce n'est pas Boubou qui sert là. Non, on va augmenter 8 inches. 8 inches là. Ça fait 20 cm. Donc, là-bas, tu peux diminuer, tu peux augmenter. Donc maintenant, au niveau de sous la ligne de sous la ligne de poitrine là, tu vas descendre 2,5 inches. 2,5 inches là, ça fait à peu près 6 cm quelque chose. Tu vas descendre là-bas. Et maintenant, là où tu as descendre là et là où on a augmenté les lignes là, tu vas tracer. Mais avant de tracer, sur... Attendez, regardez ici bien là. Regardez ici bien. On a déjà tracé notre ligne parce qu'on a déjà augmenté. Donc, l'augmentation, là, je vous ai dit que c'est 8 inches, ce qui fait 20 cm. Donc, tu peux augmenter si tu veux. Tu peux diminuer si tu veux. Mais j'espère que ça, là, c'est normal pour les 3 sizes, la S, M, L, large. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de... taille là,
Quand j'avais fait ça, je me suis dit que c'est trop descente pour moi. Normalement, je devais faire ça au niveau de sous-poitrine. Je ne vais pas descendre vers taille. Ça, c'est mon option. Moi, je vois que c'est trop descente pour moi. Normalement, je devais faire ça au niveau de poitrine. Je peux descendre un peu ou bien sous-poitrine. Sur la ligne. Normalement, je devais faire ça au niveau de sous-poitrine, mais j'ai descendu vers la taille. Quand j'ai porté l'habit, j'ai vu que c'est trop décent pour moi. Tu vois, non. Maintenant, je te conseille, si toi tu veux faire ça, les lignes là où j'ai marqué les petites lignes là, 2,5 inches là, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez là où je trace pour s'arrêter là. Normalement, ce n'est pas là-bas, je devais m'arrêter. Je devais m'arrêter sur la ligne de sous-poitrine, première ligne là. Normalement, c'est là-bas je devais m'arrêter. Et là où j'ai encore diminué là, je dois encore remonter. Vous voyez, non? Vous voyez là-bas là. Je ne devais pas descendre là-bas. Normalement, je devais rester sur la ligne de taille là, normal. Quand je commençais au niveau de sous-poitrine, je vais m'arrêter au niveau de juste au niveau de la taille. Mais moi, je n'ai pas fait ça comme ça. Je me suis trop descendue. Yeah, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, quand j'ai porté l'habit, j'ai vu que c'est trop décent pour moi. Mais si toi, si tu aimes comme ça, tu peux faire ça. Mais si tu n'aimes pas, il faut augmenter comme je suis en train de le dire. OK? Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer notre encolure. Encolure, là, c'est option. Comme tu veux. Moi, je veux l'encolure V. Toi, tu peux faire rond. Tu peux faire carré. Tu peux faire ce que tu veux. C'est option. Donc, c'est ça. Moi, je vais faire ça V, mais je vous montre que vous pouvez faire ça rond, vous pouvez faire ça V, vous pouvez faire ça V. Donc j'ai tracé normal rond comme ça. Mais après, on va descendre 6 inches. 6 inches là, ça fait 15 cm. Tu vas descendre et on va tracer notre V. Donc V là, c'est option. Tu peux encore descendre. Moi, je ne veux pas que ça ouvre, ça se ouvre. Beaucoup trop large pour moi, je veux ça juste un peu. Donc après il faut diminuer l'épaule et bim, notre bobo est prêt. On va aller couper et on va aller coudre ça. OK, donc essayez ça aussi pour voir là où j'ai fait l'erreur là. Je vous ai dit ça. Donc si vous voulez faire ça, si vous voyez que comment c'est sur moi, vous aimez comme ça, vous pouvez faire ça. Mais si OK. Mais si vous n'aimez pas comme ça, il faut remonter au niveau de sous-poitrine. OK? Donc, c'est ça. Je pense que ça aussi, ça serait bon. Mais après, on va encore refaire un autre au niveau de sous-poitrine pour voir comment ça va se présenter. OK? Ici, on est là pour apprendre. Je vous ai dit, on est là pour apprendre. Dans la vie, tu ne peux pas tout connaître. Ce que tu connais là, d'autres ne connaissent pas. Et ce que d'autres aussi connaissent là, toi aussi, tu ne connais pas. Donc, ça, c'est V qu'on va faire. Et après, on va tracer. Et comment vont vos activités? J'espère que les activités, ça va très bien. Non, moi aussi, ça va très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est V. Je suis en train de tracer comme ça. Donc, après, c'est fini. On va couper ça. Yeah. Donc, essayez ça aussi. Essayez. Je vois tous vos commentaires. Hein. Bonne arrivée, toutes les nouvelles là. Merci beaucoup. Merci d'abonner sur ma page. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et moi aussi, je fais l'effort chaque jeudi de partager vidéo sur cette chaîne. Chaque jeudi de 18h. 18h, heure d'Amérique. Donc, je fais tout pour partager petit tuto avec vous. OK? Donc, abonnez-vous et likez mes vidéos et partagez, ok? Donc, après ça, on va aller coudre et puis, bim, pour la couture, c'est pas compliqué. Tu vas doubler au niveau de l'encolure comme ça, vous voyez, non? Tu fais la même chose pour derrière aussi. Derrière là, il faut ouvrir un peu pour que tu peux porter la tenue. OK, donc c'est ça, vous voyez, j'ai mis bouton là-bas et puis c'est fini. Donc je vais aller coudre et je vais placer marche
Et ça, c'est bande. Ça, c'est notre bande, OK? Ça, c'est notre bande. La longueur de bande, c'est 3 inches, ce qui fait à peu près 30 ou bien quelque chose de centimètres comme ça. Donc, la longueur, là aussi, c'est option. Pour moi, c'est 43 inches. Pour moi, c'est 43 inches. Donc, tout ça, là, c'est option, OK? J'ai déjà ma marche aussi. Donc, on va aller placer tout ça là. Et puis, bim! Notre boubou de tendance est prête. Donc, je vais porter ça. Vous allez voir. Comme j'avais fait Tito là depuis, j'ai porté ça. J'ai porté ça. Donc, maintenant, là où on a réservé là, on va placer notre bande comme ça. C'est là-bas que je disais que vous pouvez monter. Pour moi, j'ai trop descendu. Vous voyez, non? Pour moi, j'ai trop descendu. Donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez monter au niveau de sous-poitrine. Yeah, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je sais qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas comprendre. Il y a d'autres qui vont comprendre. Donc, c'est ça. OK? Donc, tu vas placer ça. Désolée pour le bruit. Hein. Je suis dehors. C'est à cause de ça. Donc, c'est ça. Vous voyez? Tu vas placer ça comme ça. Et puis, c'est fini. Vous voyez? OK. Essaye ça aussi. Essaye. Moi, j'ai aimé Boubou là. Mais seulement que l'erreur que j'avais fait là, c'est ça que j'ai partagé avec vous. Yeah, tout le monde fait erreur. Hein? Ha. En couture là, personne n'est pas héros. Hein? Mais si quelqu'un ou bien quelqu'un est héros ici là, la personne peut me dire. Parce que tu vas faire erreur et tu vas te corriger. C'est comme ça. Mais si tu fais l'erreur et tu n'arrives pas à te corriger, c'est ce qui n'est pas bon. L'erreur là, c'est permis, mais il faut te corriger en couture là. Quand tu fais l'erreur, il faut te corriger, OK? Donc vous voyez, c'est ça. Maintenant, on va coudre là-bas jusqu'à en bas. Et puis, bim! C'est fini. Je vais aller coudre tout ça et je vais vous montrer. Donc, vous voyez, notre boubou est prête. J'ai la bande là à côté. Donc, je vais essayer, vous allez voir. Comme j'avais fait le tuto depuis, j'ai essayé parce que j'ai porté ça pour aller à l'église. Donc, je vais vous montrer. Donc, regardez que ça, c'est comme ça, ça se présente. Normalement, je disais que ça devait remonter un peu pour moi. Vous voyez, non? C'est joli, non? Donc, essayez ça, vous voyez. Tu peux mettre la corde là devant, derrière, comme tu veux. Yeah. Donc, c'est ça. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous aime. Prenez soin de vous. Gros bisous à tout le monde. Partagez mes vidéos. Likez. Abonnez-vous. 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 Regardez comment moi-même je danse là. Yeah. Donc, c'est ça. C'est ça. Je suis partie à l'église. C'est ça. Bye bye.